La télé de l'eau. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Laurent. C'est un sujet libre. Bonjour, Laurent. Bonjour. Bonjour, Lulu. De quoi vas-tu nous parler sur le sujet libre? Un sujet libre. J'aime bien le terme libre, justement. C'est pas toujours facile, justement, la liberté. Là. J'ai envie de parler de l'ombre et de la lumière. L'ombre et la lumière. Alors, je vais démarrer comme ça. Dans le milieu spirituel dans lequel nous évoluons, et dans quelques amis qui sont ici en train de me regarder aussi, je vais essayer de parler un peu plus fort parce que je sais que ma voix, des fois, elle baisse un peu. Ouais. On nous parle toujours de la lumière, la lumière, la lumière. Oui. Ben oui, la lumière, d'accord. Mais qu'est-ce qui fait la lumière? La lumière dans la lumière, pour moi, je me suis quand même souvent posé des questions. Il fait jour, en plein jour, vous allumez une lampe électrique. C'est la lumière. La lumière dans la lumière, on n'y voit rien. Hein. Moi, pour moi, il me semble que la lumière et l'ombre, ce sont des sœurs jumelles. Ils sont indéfinissables l'une comme l'autre. Et je dirais que quelque part, mon regard. Pour moi, dans l'ombre, il y a tout. Il y a tout qui ne demande qu'à être. Les potentialités, les réalisations non encore vues, éclairées, mais qui sont déjà là en gestation. J'aime prendre comme exemple la nature. J'ai toujours trouvé étonnant, on voit l'hiver, d'un coup, toutes ces prairies qui sont rases, il n'y a plus rien par terre. C'est tout sec et tout. Et puis tout d'un coup, après 2-3 mois d'hiver, sous la neige ou le verglas, hop, quelques rayons de soleil, et tout d'un coup, il y a des plantes qui sortent, des choses. Et ces choses-là, qui tout d'un coup prennent la lumière et prennent des formes, des caractéristiques, elles ont été enfantées dans l'ombre, dans le secret de l'ombre. Elles étaient là, présentes, mais pas encore définies, tant que nous ne les avions pas vues. Un petit peu comme un enfant dans le ventre de sa maman. Et à un moment, quelque part, on ne le voit pas, l'enfant. Pourtant, il y a quelque chose qui se fait d'extraordinaire dans ces choses que la lumière ne pénètre pas. Et quelque part, malgré tout, la chose, elle se fait, elle se règle. Et elle va le devenir, à un moment, visible, par la lumière qui va lui donner une forme. Et la lumière, c'est comme un sculpteur de l'ombre, quelque part. À l'extrait de l'ombre, des formes. Alors, quand je dis des formes, pas que des formes physiques, c'est bien sûr aussi des émotions, des sentiments, des pensées. Tout ça, ce sont des formes. Hein. Ce ne sont pas des formes physiques, mais qui sont des vraies formes. Et ce que j'aimerais amener, surtout comme regard, c'est cherchons pas toujours à vouloir être que lumineuse. Et pour vouloir être que lumineux, il ne faut pas être dans un corps physique. Corps physique par excellence, si vous le mettez face à une ampoule, il dégage de l'ombre. On est dans une densité de matière qui est le corps physique, quelque part, et à ce titre-là, il est ombrageux. Il a ses caractéristiques. Essayons plutôt d'essayer d'harmoniser notre lumière et notre ombre, c'est-à-dire exerçant notre lumière dans notre ombre. C'est là où elle prend sa force. C'est-à-dire, plus quelque part on va pénétrer nos ombres, plus notre lumière va devenir vaste, elle va devenir grande, elle va s'enrichir. Elle ne va pas chasser l'ombre. L'ombre se déplace. Elle va ailleurs qu'à l'endroit où tu l'es. Peut-être qu'un jour, si on est tous suffisamment nombreux à chasser le même plan d'ombre, il est possible qu'à un moment, l'ombre viendrait à disparaître. Je ne sais pas, là, c'est une question que je laisse aux spécialistes. Il y a des réponses pour ça, sûrement. Mais essayons d'exercer un petit peu notre lumière dans la qualité d'être que nous sommes. Être de chair, être vivant, hein, au même titre que la nature, prenons les exemples de la nature. La nature, quelque part, elle est belle, mais elle est aussi magnifiquement cruelle. Lorsqu'on garde une maman chat qui prend une petite souris vivante et qui va jouer une demi-heure avec ses petits chatons pour leur apprendre à manger, oui, vu sous l'angle de la nourriture d'une maman qui donne à ses petits, c'est beau. Si on se met à la place de la souris,
On pourrait dire que c'est cruel. Et pourtant, c'est magnifique. Ben nous, c'est pareil, au fond, nous. Lorsque quelque part, on commence à regarder nos ombres, hein, c'est-à-dire ce que d'autres, on va appeler de défauts, je vais prendre des mots simples, nos défauts, dès qu'on commence à les regarder, tout d'un coup, on les trouve magnifiquement beaux et adaptés par rapport aux besoins qu'on avait de les exprimer. Ils sont tellement justes. Et le fait de les éclairer, de les regarder pour ce qu'ils sont et pas les enfermer, pas dire « moi, je suis pas comme ça, je veux pas être comme ça, c'est pas possible ». Ah, moi, je veux tous les jours, je vais à la messe, je prie, je crois, je suis beau, patata, patata, patata. On enterre les choses, mais on ne les fait pas disparaître. Elles sont là. Et au contraire, elles continuent à bouger, à croître. Mais dans le secret, dans votre secret. Et le jour, quelque part, elles s'expriment parce qu'elles s'exprimeront un jour. Parce que telle est leur vie, telle est leur voix. À un moment, elles vont apparaître. Mais elles vont apparaître avec des exercices des plus étonnants. Bien souvent, on sait bien que quand on contient trop son ombre en soi, ben comme par hasard, tout d'un coup, on peut tomber malade. Hein. Une autre forme d'ombre qui apparaît, qui se transforme, qui nous amène la maladie. On peut avoir des accidents. On peut avoir tant de choses qui nous rendent la vie très, très, très inconfortable. Et c'est encore correct. C'est encore là pour justement nous guider. C'est l'occasion encore de mieux poser son ombre. C'est comme si que la maladie, cette partie d'ombre vient en nous. Mais oh, je suis là, regarde-moi, c'est tout ce que je te demande. Regarde-moi. Mets ta lumière sur moi. Sur l'ombre que je suis, regarde-moi. Hein, si tu m'aimes un peu, moi aussi je fais partie de ta vie. Moi, l'ombre, je fais partie de ta vie, pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi tu as peur de moi? Regarde-moi. Pose ton regard, tu poses ta lumière sur ces parts d'ombre que toi-même. Et tout d'un coup, ta lumière, elle prend de la force, elle prend de la joie quelque part au contact de cette ombre qu'elle guérit et qui automatiquement se déplace pour en présenter d'autres. Parce que quelque part, jusqu'ici, il y en a toujours. Alors, il est vrai qu'après, l'exercice nous permet de plus en plus facilement et aisément à pénétrer ces espaces dont la pire des ombres, je crois que c'est les croyances, hein, les choses sur lesquelles on est parfaitement fondé, hein, que là, c'est ça qui est en haut, ça c'est en bas, c'est à droite, à gauche, enfin, toutes ces choses sur lesquelles c'est très difficile de sortir des croyances. Et pourtant, c'est quand même c'est donc très très fine. En fait, ce qui est difficile, c'est pas de traverser la croyance. C'est de s'en approcher. Il y a quelque chose en nous qui nous donne comme une sorte de limite. Hein, jusqu'ici, jusque-là, là, c'est moi. Après, au-delà, hop, c'est plus moi. Alors, ça va être Dieu, ça va être l'Église, ça va être l'autre, ça va être hier, ça va être demain. On va donner des limites dans lesquelles on ne va pas vouloir sortir. Mais quand on a pris le chemin de la lumière, pour moi, la lumière, c'est la conscience. Je vois, je suis conscient. Quand on a pris ce chemin, c'est un chemin qu'on ne choisit pas, à vrai dire, il nous emmène. Tout simplement. Et tout d'un coup, on se retrouve bien à ces frontières-là, les frontières de la croyance. C'est ces minces filets qui sont très ténus, là. Et je peux vous affirmer que, quelque part, traverser ces croyances, c'est très facile. Et que derrière les croyances, il y a toujours une grande, grande, grande lumière. Donc j'invite, quelque part, nos frères et sœurs d'équilibrer un petit peu leur ombre et leur lumière, de se reconnaître en ce qu'ils sont, parce que la beauté, quelque part, aller un petit peu lorsque le temps est passé par là. J'aime les objets qui ont pris un petit peu de vie, de la caractéristique. Imaginons un arbre tout droit avec des branches parfaitement idéales, comme ça. Elles auraient une drôle d'allure, nos forêts. On aime bien tout d'un coup qu'à côté d'un grand géant, il y a un petit arbre qui saigne. Toutes ces choses qui sont régulières, qui font la fantaisie de la vie, qui lui donnent une créativité incroyable, toutes ces sortes, pas d'anomalies, mais qui sont la normale, quelque part, du mouvement éternellement reconstitué, renouvelé de la vie, c'est ces caractéristiques-là qui, quelque part, valent le coup d'être vécues et d'être vues, et elles sont propres de quoi ? Elles sont propres à nos personnalités, à notre façon de sculpter l'ombre dans notre propre lumière, qui nous font ressortir des originalités, des personnalités que nous sommes, et c'est merveilleux. Penses-tu que ça peut être un début de la vie, ça, d'éclairer nos ombres ? Un début de la vie ? Un but de la vie, d'éclairer nos ombres, qu'on serait ici pour ça, éclairer nos ombres. Oui, c'est... Quoi d'autre? Acheter des bagnoles, des grosses... Oui, c'est bien, on peut continuer à mettre de l'ombre, par contre, là, oui. Ça, on peut renforcer l'ombre, ça, sans problème. Oui, je crois que grandir, c'est-à-dire s'emplir de la vie, laisser se remplir la vie, laissez la vie vous remplir d'elle-même et quelque part
amener votre propre empreinte, votre essence dans ce mouvement de la vie pour l'amener plus loin et s'enrichir à nouveau. Oui, quelque part, oui. Notre chemin est oui, d'aller sculpter le cœur de nos ombres afin d'y déposer la lumière. Oui, c'est le but de la vie. C'est un début de conscience. Oh, oui. Et puis le début de la conscience et la fin, c'est la même chose. C'est un mouvement, la conscience. Ni début, ni fin. On s'y met. Un jour, on prend le chemin. Juste prendre le chemin. Que tu l'aies pris il y a longtemps, que tu commences maintenant, c'est le même chemin. C'est le même mouvement. La personne qui vous dit, moi, ça fait il y a 20 ans, que ça ne veut rien dire du tout. Ça fait 20 ans ou ça fait 10 secondes. En quoi, quelque part, ça fait une différence? On est dans un mouvement de prise de conscience. La prise de conscience, elle n'est pas basée sur... Alors, il est vrai que quelqu'un qui en a plus, comme je le disais précédemment, qui a plus d'exercice, quelque part se fera moins peur, peut-être s'encouragera plus facilement à aller peut-être un peu plus loin. Et quelque part, ça verra un peu de guide à ceux qui veulent bien le voir, et alimentera en tout cas le grand collectif de la vie que nous sommes, que par l'humain que nous sommes. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ben, merci beaucoup, Laurent, de nous avoir éclairé sur ces ondes. C'est moi qui te remercie d'avoir apporté cette lumière complémentaire sur ce sujet. Puis tantôt, c'était drôle parce que tu parlais d'ombre puis de lumière, ça allait, il apparaissait et disparaissait, il apparaissait et disparaissait. Oui, c'est très marrant. Hein, oui. Le soleil sur le visage. Ouais, on était accompagnés, je pense, du soleil puis de l'ombre, des nuages. Merci. Merci, Laurent. À la prochaine.